à toutes et à tous. Plaisir de vous retrouver pour une autre tranche d'informations technologiques. Tout est au rendez-vous. Actu du net, Expert Innovation ou encore Instant Utile. La plateforme qui révolutionne le marché de l'art en ligne avec l'IA et la blockchain. À 81 ans, Maurice Lévy se lance dans une nouvelle aventure. UArt, la première plateforme art plus tech dédiée à tous les amoureux de l'art sans distinction, sélection ou restriction. Même si le marché des ventes d'art en ligne se calme un peu après l'euphorie de la pandémie, il a connu une croissance de 57% depuis 2012. Les dernières avancées technologiques offrent donc en effet de formidables opportunités à ce que UArt soit la plateforme synthèse plus art plus tech immersive pour proposer au grand public une nouvelle manière de vivre l'art grâce aux dernières innovations technologiques. Et ce n'est qu'un début puisque la plateforme française s'ouvrira vite à son ambition mondiale avec de nouvelles fonctionnalités qui exploitent tout le potentiel de l'intelligence artificielle et de la blockchain, la traçabilité, l'assurance d'une transparence dans les ventes successives d'une œuvre d'art physique, la gestion de la propriété et des droits d'auteur, la certification de l'authenticité et de la provenance seront possibles avec la plateforme. Deuxième information, on parle de cette voiture électrique. La première citadine dotée de la charge bidirectionnelle sera française. Renault, avec l'aide de sa filiale, intègre la charge bidirectionnelle dans la future petite Renault 5 électrique. Pour l'occasion, le constructeur va lancer un nouveau contrat d'électricité associé à une borne de recharge. L'ensemble permettra de réduire drastiquement le coût de la charge de la citadine. En effet, la technologie Vehicle to Grid utilise la batterie d'une voiture électrique pour alimenter le réseau électrique autant que l'inverse. Cela donne une nouvelle fonctionnalité à la voiture. Elle peut servir de réserve d'énergie pour alimenter une maison, voire le réseau électrique local en cas de coupure d'électricité. Il est aussi possible de brancher son aspirateur ou tout autre équipement comme une télévision ou un ordinateur sur la voiture. Un adaptateur 220 volts sera proposé par la FIM afin de permettre de délivrer l'énergie par une prise de courant traditionnelle. Troisième info pour boucler avec Actu du Net. Le créateur de ChatGPT veut révolutionner les crypto-monnaies avec WorldCoin et la biométrie. Le patron d'OpenAI qui a propulsé ChatGPT souhaite maintenant lancer une crypto-monnaie appelée WorldCoin. Elle aura la particularité d'être sécurisée par une authentification biométrique. ChatGPT, tout le monde en parle, c'est l'intelligence artificielle qui a mis le feu aux poudres de la révolution du numérique en cours. Mais les projets de Sam Altman, un des fondateurs d'OpenAI, soutenu entre autres par Microsoft, ne s'arrêtent pas au seul robot conversationnel, au générateur d'images. Le patron d'OpenAI compte aussi s'attaquer à l'univers des crypto-monnaies pour apporter dans cet univers une nouvelle façon de penser. Selon un article du Financial Times, Sam Altman aurait rassemblé 100 millions de dollars pour mettre au point une crypto-monnaie universelle dont le gestionnaire de portefeuille s'appelle WorldCoin. La société éponyme à l'origine de ce projet n'est pas nouvelle. Elle a été créée en 2019 et jusqu'à maintenant, le projet était resté discret. Il part du constat que dans le monde des crypto-monnaies comme le Bitcoin, il reste des soucis de sécurité qui entraînent des vols réguliers de fortune en crypto-monnaie sur les plateformes d'échange. Par rapport à ces plateformes et ces monnaies, WorldCoin aura une particularité. Son système d'identification des propriétaires d'un portefeuille sera par biométrie et plus particulièrement en scannant l'iris d'une personne. Une façon unique, fiable et inviolable pour
sécuriser son compte. Cet identifiant ne sera pas forcément utilisable uniquement que pour sécuriser la monnaie. Il pourra l'être aussi pour toutes les autres applications et également pour prouver que l'on est un humain dans un univers numérique. Après le cryptologue, je vous amène aujourd'hui dans l'univers du web marketer. C'est qui et quelle est formation pour le devenir? Regardez. Le web marketer a pour mission principale la mise en place d'une stratégie de communication optimisée pour accroître le nombre de visites sur un site internet et ainsi générer plus de ventes. Comme son nom l'indique, le web marketer doit avoir une double compétence en marketing et en digital. Il doit ainsi avoir une vision globale de l'entreprise, du site internet et ne doit pas réfléchir uniquement en termes de technique. Le web marketer pense un site internet de manière à ce que celui-ci génère le maximum de visibilité à l'entreprise et le maximum de trafic du côté des internautes. Il conçoit ainsi la hiérarchisation du site internet, définit des mots-clés, gère la partie rédaction. Il est alors en charge du référencement et de la stratégie SEO du site internet, mise en place de partenariats, référencement naturel et payant, liens sponsorisés, emailing, newsletter. Toutes ces activités doivent permettre à une entreprise de développer sa visibilité sur la toile. Autre mission du web marketer, l'analyse des actions menées, notamment l'impact sur le trafic internet. Grâce à des outils spécifiques type Google Analytics, le web marketer analyse régulièrement l'audience générée grâce à ses actions et étudie tout un tas d'indicateurs afin de définir les actions futures à mener. Souvent, le web marketer assure également la partie community management en gérant la communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Il doit alors étudier et définir le public ciblé et les internautes influents afin, là encore, de générer du trafic et des ventes à son entreprise. Mais alors, quelles sont les compétences et qualités d'un web marketer? La principale caractéristique d'un web marketer, la polyvalence. Avoir une parfaite connaissance d'Internet et de ses usages, être à l'aise avec les techniques marketing, maîtriser les réseaux sociaux, connaître les langages de programmation, avoir un grand esprit d'analyse, savoir utiliser les outils de mesure d'audience et de veille, être créatif, force de proposition et aimer le travail en équipe. Avoir des capacités de rédaction, savoir s'adapter à une cible, être un bon communicant et pratiquer une veille sur les nouvelles tendances aux réseaux sociaux. Mais comment devenir web marketer? Les web marketeurs possèdent souvent un diplôme de niveau Bac plus 3, Bac plus 5, un BTS en communication, un DUT en technique de commercialisation, une licence professionnelle e-commerce et marketing numérique, parcours numérique et technique de communication, une licence professionnelle mention métier du numérique, parcours commercialisation, des produits en ligne ou encore la licence professionnelle en technique de l'information et de la communication pour l'animation des réseaux et communautés. Vous avez envie de devenir web marketer? Vous savez désormais à quoi vous en tenir. Généralement, le web marketeur travaille dans un cabinet de conseil ou une société commerciale. Il est sous la responsabilité du directeur marketing et il travaille en collaboration avec les équipes commerciales, marketing, communication et publicitaire. Vous désirez faire carrière dans ce métier? Vous savez donc quoi faire pour y parvenir. Place à présent à l'innovation de la semaine. Un Togolais du nom de Nadiagou innove en créant un panneau solaire capable de suivre le mouvement du soleil avec des matériaux recyclés. Il a mis au point le soleil tracker et le panel cleaner afin de prendre des panneaux solaires plus efficaces, afin de rendre plutôt les panneaux solaires plus efficaces. Découvrons donc cette innovation. Le problème que nous essayons de résoudre, tout d'abord, c'est de permettre les panneaux d'être plus efficaces en production d'énergie, peu importe le temps et les saisons.
ça marche par d'abord l'électronique que nous avons essayé de câbler par rapport à la position du soleil. Et dès que il y a une partie qui est dans l'obscurité, le capteur active le panneau pour le basculer de l'autre côté. Donc quand notre suiveur suit le mouvement du soleil, ça nous permet de gagner plus de 45% de charge par rapport au modèle classique. J'ai eu à participer à plusieurs tournées scientifiques qui nous ont amenés dans les villages les plus éloignés de la capitale. Et c'est là où j'ai remarqué que les lampadaires solaires ne s'allumaient pas parce que l'harmattan dépose la poussière sur les panneaux. Nous avons le nettoyage automatique qui se fait en même temps sur les panneaux, ce qui nous permet d'avoir plus de charge parce que les panneaux sont nets. La machine que j'ai conçue, ça vient de la récupération. J'ai eu à faire recours à certains frères, tels que les soudeurs et les tôliers. Et de l'autre côté, je vais aussi dans les casses pour chercher des pièces des voitures recyclées et puis dans les éléments électroniques pour récupérer des capteurs et tout. Si on n'a pas beaucoup d'eau, ce n'est pas obligé que tous les jours qu'on puisse les entretenir. Si on entretient avec de l'eau, ça peut faire une semaine avant qu'on entretienne. C'est un système qui est fait, qui peut s'installer à n'importe quelle taille de panneau. Donc, si vous avez des panneaux déjà, vous pouvez juste acheter le système et placer vos panneaux sur ça. Je vous propose une astuce Android pour lancer des actions via un guest. Regardez. Play Store. Tu vas rechercher Gesture. Tu choisis cette application-là. Tu ouvres et tu choisis bouton flottant. Tu as maintenant ce bouton. Tu appuies dessus. Menu et manage gesture. Tu peux ajouter un nouveau geste. Choisir un nom. Et l'action qui est liée. Ici, on va lancer Chrome. Et maintenant, depuis n'importe où, tu appuies sur le bouton, tu fais le geste et ça ouvre l'application que tu as choisie. Ainsi se referme ce numéro de votre émission Ultratech. Merci pour l'attention. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, page Ultratech ORTB ou sur le compte YouTube de l'ORTB. Portez-vous bien, à bientôt.